17h04, vraiment, à Yaoundé, que ce soit également à Douala, à Ebomzout et n'importe où. Nous sommes là en votre compagnie, bien sûr, pour vous distiller de la bonne humeur. C'est dans le cadre de l'émission culte Le Monde en Relation que ça fait du bien de pouvoir avoir des relations. Et quoi de mieux que d'être en soirée, en notre compagnie, pour pouvoir encore découvrir de nouvelles personnalités. Lorsqu'on parle du monde en relation, c'est tout simplement une émission de divertissement. On prend de la détente, on prend de la bonne humeur à travers plusieurs rubriques, notamment un tour sur la toile. Mais je suis toujours accompagnée de la dame au verre d'eau. Elle, c'est Nadège Fridio, elle procure de la bonne humeur. Bonsoir Nadège Fridio. Bonsoir Francine Ateba, bonsoir à vous à la maison, très heureuse de vous retrouver. Vous savez, on a fait un petit temps là, on était en repos, mais nous sommes de retour et on dit merci grandement à notre PDG, car grâce à lui, nous sommes avec vous et nous sommes là pour encore prendre des relations. Nous, les relations, c'est ce qu'on dit. Bien sûr, on se noue chaque jour des Oui, relations. et j'espère qu'aujourd'hui, j'ai encore des cœurs. Envoyez-moi des cœurs et des likes pour nous dire que non, nous sommes en phase, nous sommes avec vous, car le monde en relation a commencé et le monde en relation est là pour vous procurer de la bonne humeur, comme l'a si bien dit Francine. Mais quand tu parles de cœur, j'ai toujours envie de me poser la question. Depuis qu'on a commencé avec cette histoire de monde en relation, tu es toujours en train de demander des cœurs. Des cœurs, c'est pour qui? Des cœurs, des likes, en tout cas, des cœurs. En tout cas, j'espère que le monsieur à la maison prend ça du bon côté, parce qu'on sait généralement que lorsqu'on a une aussi belle femme, on va lui dire ainsi, et qu'on se voit toujours en train de demander des cœurs, on se pose bien la question que derrière cette histoire-là. Des cœurs pour des relations, et c'est le monde en relation, on ne va pas s'imaginer. Comment tu as passé ta semaine? Relax, c'est comme toujours le boulot. Le boulot, et comme le week-end s'annonce, je pense que je vais véritablement me reposer. Ah ça, le repos, oui. On va faire comment? Rester en famille, passer du bon temps avec les enfants? Bien évidemment, on va passer ce week-end en famille, on va aller rendre aussi visite. Parce que vous savez, avec ce boulot-là, parfois on n'a pas le temps d'aller rendre visite, et on va profiter de ce week-end pour aller rendre visite à la famille. J'imagine déjà comment tes copines disent, Nadège, depuis que tu es devenue journaliste là, on ne te voit plus. Eh oui, on va faire comment? C'est le métier qui le veut, hein, mais bon. Quand on a l'occasion, on va rendre visite et on papote avec la famille, on rencontre la famille et la vie continue. La vie continue. On a envie un peu de rire. Hein. Oui. On va prendre la première rubrique de l'émission. C'est tout simplement un tour sur la toile. On préfère faire un petit voyage comme ça du côté de la toile. Avec la permission de la réalisation. Parler d'elle à un adège, ça ben oui, la toile a été véritablement dure. Hein, qui à certains niveaux, nous avons constaté par rapport à certains, mais imaginez-vous un seul instant la colle de ça. Vous avez fait de la théologie, on vous demande.
D'où venait le pain? Non, on parle immédiatement que la personne est en train de te dire que tout ce que tu es en train de dire là, c'est baban, tu me fatigues. Tu viens Non. me parler de théologie et tout ça, et Alors puis on que te pointe seulement en disant, mais dans toi-même. quelle boulangerie? Mais la boulangerie de Jésus-Christ, j'ai toujours Ouais, tendance à leur la répondre comme boulangerie ça. de Dieu, pourquoi pas? Ben Le pain qu'il a multiplié là, c'était oui. la boulangerie de Dieu. Mais ben oui, il faudrait le Ça. dire, hein, une fois pour toutes, c'était la boulangerie de Dieu, donc ne cherchez plus, hein, c'est Dieu qui c'est sa boulangerie à Ah, lui. ça. Donc si vous voulez aller dans cette boulangerie, mettez vos genoux au sol et vous allez rencontrer Dieu et avoir ce pain gratuit, hein. Ah, Oui, le le pain. pain Surtout gratuit. qu'on en a besoin véritablement pour Ben cette oui, enceinte, ce pain oui, évident. Hein? imaginez-vous un seul instant accompagné si vous avez votre pain, votre porc là. Il n'y a pas match, Le hein. pain pimenté de ça. Même si on a mis les démons, grâce à la pimenterie, je Non, mais t'assure que ces démons s'en vont. Hein? quelqu'un avait dit le porc, c'est quoi? C'est le piment. Eh ben oui, si vous voulez déguster votre porc, votre viande de porc, il faudra mettre Non, du ce qui est piment. marrant, c'est qu'on se dit Là, on oublie souvent même que le on peut passage biblique là. pousser les gens à refuser de manger du porc parce qu'on va dire que non, on avait envoyé les démons. Et puis on vous dit, avec le piment, même les démons ne supportent pas. Surtout que c'est même la tête là qui est. Oui, c'est succulent. Ah, Quand tu ça, hein? manges là, tu attrapes ta tête de J'imagine déjà porc que là c'est et tu nickel, dégustes ça, mon frère. hein? Tu oublies même les démons dont on parle là parce Ah, que demande de quoi véritablement. on va gérer les deux mois après, Eh on dit ben d'abord le pot. oui. Non, c'est vrai qu'il y a parfois, on a tendance à dire. Tu as lu le message mystique parce qu'on te Ah. drague, tu ne réponds pas, t'envoie ce genre de message. Qu'est-ce que tu fais? Massa. Hein? Tu te demandes, c'est obligé, c'est forcé, L'amour papa, là est c'est forcé, forcé, mon c'est frère. obligé, c'est Ah, quoi? premier message, deuxième message, troisième message. Vous Ah. voyez comment on est en train de. On Non, fragilise. mais tu sais, avec ce genre de message, on voit immédiatement qui est notre vis-à-vis. On se rend compte véritablement si on a affaire à un homme, à un vrai, à un Non, ça c'est gentleman, pas un ou vrai tout homme. simplement à un pied plat, comme j'aime C'est souvent un le dire. lolo, Hein. un lolo. Un pied plat, je préfère. On dit quoi? Omelette. Voilà, oui, c'est vraiment une omelette. Parce qu'il a essayé par tous les moyens. La dame dit que ce n'est pas bon. Il répond même pas. Il dit que tu veux que ça finisse mystiquement. Vous savez, et comme nous, les femmes, on a peur de ce. Dès qu'on entend un mot mystique là, ça, on a peur des neuvaines qu'on doit devoir faire En pour tout cas, il échapper. va tout dire, mais c'est pas forcé, c'est pas obligé du tout. Mais évidemment, il y a aussi un pan que la toile a évoqué, nos enfants là. Parfois, tu te demandes même, ce sont nos enfants, parce que imaginez-vous un seul instant, Francine Atteba, que vous avez votre téléphone, vous ne connaissez même rien de tout cela, Mais même l'enfant, les il connaît. applications. Votre enfant de 2 ans maîtrise votre téléphone plus que Toi, vous. tu es même parti à 2 ans. Tu as un enfant, même qu'il a à peine 1 an, il sait déjà qu'on prend le téléphone et il marche partout. Alors, tu te poses la question, mais c'est quoi ça? Cette fameuse expression m'envoyait Ouais. les cœurs et les likes. Vous savez à qui j'ai touché cette expression? Ma fille. Ah, ça. Chaque fois qu'elle prend le téléphone, maman, je voudrais qu'on m'envoie des likes, Hein? mais on like mes photos. En tout cas, elle est abonnée. Hein? Mais est-ce qu'elle sait même Elle d'abord est ce que. abonnée de Mais YouTube. elle voudrait des likes, elle voudrait qu'on envoie des cœurs. Dès qu'elle prend une photo, elle se dit non, il faudrait qu'on m'envoie des likes, des photos. Mais je dis, à quoi ça sert que, mais maman, le téléphone, c'est ça, non? Quand tu te prends en photo, c'est pour qu'on t'envoie les likes et dès que, bon, Les ancêtres, pas véritablement, comme les nôtres, mais ça c'est vrai montrait qu'il y sur les a. photos pour conserver. Quand je m'avais sur Facebook, ce n'est pas forcément pour voir les commentaires, c'est juste que je veux garder mon album C'est photo. vrai qu'il y a aussi certains jeunes qui vont à la dérive et c'est vraiment déplorable hein, parce que la toile a si bien évoqué, même s'il y a certains qui en profitent positivement de cette nouvelle génération qui en profite positivement, mais il y a certains véritablement qui perdent leur route parce qu'ils se perdent complètement avec la drogue et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, véritablement, peut-être que les parents devraient revoir leur façon d'éduquer leurs enfants, devraient être encore un peu plus présents parce qu'on a l'impression que les parents ont tendance déjà à se préoccuper d'autres choses plus qu'à l'éducation de leurs enfants. Donc, véritablement, parents, mettons-nous au travail pour relever nos enfants parce que on le dit souvent très bien, ce sont eux, ce sont nous. C'est le fait de lance de Oh l'admission. Il est temps à présent d'accueillir notre invité. On parle d'artiste, on parle de performeur. J'imagine déjà, lorsque vous avez un concert et que vous partez regarder Christian et Tongo, j'imagine déjà comment la performance de ça. Parce qu'il faudrait le savoir, oui. lorsqu'on a les artistes, généralement,
On a juste ceux qui savent chanter, mais quand vous avez un performeur, Vous êtes comblé. ah ça, on est véritablement comblé. Hein. Si tu le permets, on accueille tout simplement Bien évidemment, l'invité on est là pour ça. après la transition. What's love, en fait, c'est un questionnement, c'est sur le rapport aujourd'hui que les humains ont entre eux. L'amour, c'est aimer l'autre malgré ses défauts. Donc, la définition de l'amour étant très complexe, je voulais mettre face à eux-mêmes cette question par rapport au public. Donc, ce soir-là, on a pu voir des gens donner plusieurs définitions pour dire que l'amour étant universel et complexe, chaque être humain a sa définition de l'amour. Donc, What's Love, en réalité, c'est un hymne à l'amour, c'est une demande de prise de conscience de la présence de l'autre dans notre environnement, de savoir que nous ne sommes pas les seuls sur Terre. L'amour, c'est quand un beau matin, tu te réveilles, tu vois pas tes règles. Et que au bout de un, deux jours, ça ne vient toujours pas. Tu fais un test, tu te rends compte que tu es enceinte. Et que deux mois plus tard, tu vas chez les gynécos, ils t'introduisent un truc quelque part. Tu vois apparaître sur un appareil une petite boule. Pour moi, ça, c'est l'amour. Donc, je pense que l'humain doit se réapproprier ce mot parce que ça devient dangereux aujourd'hui de vivre avec l'autre. Il y a tellement de conflits, il y a tellement de conflits d'intérêts qu'aujourd'hui, les gens pensent d'abord au matériel qu'à l'humain. La performance et des actions de la vie quotidienne prises comme de l'art. Waouh, waouh, wow. Ça, c'est quelle inspiration. Mais on va essayer de présenter bah oui. l'invité à tous les téléspectateurs. On sait qu'il est né en 1972. De son vrai nom, Christian Raphaël Etango, il a flirté avec la danse, bah le oui. théâtre, la peinture et également autre chose. Il aime tellement l'expression corporelle. Il a visité tellement de pays, hein. On n'en peut plus finir, j'y parviens, oui, comme l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Finlande, l'Allemagne, la Pologne, oui. mais sauf le village de ma mère. Il est célèbre, il est connu, je vous assure qu'il a un look d'enfer, il a décidé de se consacrer à la performance, c'est quelqu'un d'assez ouvert, il aime parler d'amour, ça veut dire sûrement qu'il aime également les femmes. On accueille ensemble notre invité, lui c'est tout simplement Christian Etango. Bonjour, bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir Christian. C'est vrai que j'aime les femmes. Directement dans la présentation était réussite. Hein. Ouais. Quatre chemins. Il est pas quatre chemins. What's love? Parce que c'est vraiment, c'est comme une colère hein, parfois quand on a regardé les images, on se dit mais bon, si on te demande, c'est quoi l'amour? Oui, Tadej, merci de cette introduction. Mm-hmm. Déjà, c'est une surprise pour moi de revoir cette performance qui date de 2018, je crois. Mm-hmm. Et il faut dire que c'est une série de performances mm-hmm. que j'ai présentées dans plusieurs endroits dans le monde avec le même principe, mm-hmm. c'est-à-dire que j'invite le public mm-hmm. à donner une définition de l'amour. Mm-hmm. Et à chaque fois, on apprend beaucoup de choses à ce moment. Et pendant que vous donnez la définition de l'amour, on partage. Bon, parfois c'est du vin de palme quand je vais en Europe. Et c'est du vin rouge avec de la cola. Donc c'est un peu ça. On échange comme ça. Et après, vous donnez la définition de l'amour. Il faut vous dire que à chaque fois, on a des définitions déroutantes et parfois très émotives. Il arrive que des gens, au moment de donner la définition de l'amour, pleurent. Et c'est cette émotion aussi là que je recherche dans la pièce, dans cette performance.
Ah ça, lorsqu'on parle de performance, il s'agit de quoi précisément? Bon, il faut dire que, Francine, la performance est un art qui est relativement nouveau, c'est-à-dire qui date des années 50, qui est né aux États-Unis. C'est un mélange d'art où on retrouve la peinture, la musique, la littérature. Donc, c'est un fourre-tout. Bon, maintenant, chaque artiste, performeur, prend comme base une discipline qui lui sied. Moi, j'ai commencé par la danse et la peinture et le théâtre. Et du coup, je mélange tout ça quand je réalise mes performances. Donc, la performance, comme je dis dans la vidéo, je dis, pour moi, la performance, c'est la vie, des éléments de la vie pris comme de l'art. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire dans la performance? La performance, quand je commence, je ne sais même pas que c'est un art. Ah, ben. On est dans les années 96, 97. Je me sentais à l'étroit dans la danse, la peinture et le théâtre. C'est-à-dire, je voulais faire un mélange, je voulais faire le mélange de tous ces arts que j'avais appris. Et là, j'ai commencé à faire des pièces auxquelles je ne pouvais pas coller un nom. Et parce que à l'époque, c'était pas connu au Cameroun. Du moins, il y a quelques artistes qui venaient de l'étranger, des Camerounais, qui avaient déjà fait des performances, mais que personne ne nous connaissions pas. Oui. Et là, je vais commencer à faire des performances, juste à ce que un artiste qui vit en Belgique aujourd'hui, Pascal Martin Tayou, c'est un homme qui a pris le prénom de son père et de sa mère. Donc Pascal Martin Tayou, qui va voir mon travail et qui va me faire découvrir qu'il y a un art qu'on appelle la performance. On est là dans les années 98. Et c'est à partir de 2000, avec l'arrivée d'Internet, que je vais commencer à regarder des vidéos, constater qu'il y a un art qui existe comme ça. Oui, et commencer à étudier vraiment cet art. Donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec cet art d'une manière professionnelle. Et, un génie inné. On peut dire un génie inné qui s'est maintenant formé dans le tas. Oui, je n'ai pas peur d'être ça. Oui, c'est comme ça, je me suis formé dans le tas. Et avec des ateliers aussi, parce qu'il faut dire que se former dans le tas, c'est pas aller au hasard. C'est aussi pouvoir fréquenter des ateliers d'artistes, pouvoir assister à des cours parfois que donnent les artistes, mais qui sont des sessions très courtes. Donc voilà, j'ai pu me former comme ça jusqu'à aujourd'hui où je peux à mon tour transmettre aux jeunes artistes et aux étudiants en art. Je me pose une question, est-ce que les Camerounais maîtrisent ou acceptent cette façon de penser, parce qu'on se dit la plupart du temps on aime où on va aller se secouer, où on va aller faire un peu de tapage et venir s'asseoir là où qui demande beaucoup de réflexion, parce que venir demander à quelqu'un c'est quoi l'amour, où il faut réfléchir, est-ce que les Camerounais adhèrent à ce style d'art, je voudrais dire. Oui, il faut dire que le Camerounais est quelqu'un de très, très paradoxal. Oui. C'est-à-dire, et quand on pense qu'il est distrait, il est très concentré. Et quand on pense qu'il est concentré, il est hors sujet. Donc, il faut dire que les Camerounais s'intéressent justement à l'art et surtout aux arts qui font réfléchir. Je vais prendre un exemple, une anecdote. Lors d'une performance dans la rue, parce que je travaille aussi beaucoup dans la rue, parce que c'est un espace de rencontre où on peut avoir un public inopiné, un public où on n'en s'attend pas. Et voilà, l'un de mes assistants faisait une performance. Je vais la décrire en fait. Il était en train de fendre du pain au sol avec de la hache, avec une hache. Parce qu'à un moment, on détourne les objets, on détourne le sens parfois des objets. Et il fendait du pain avec la hache dans la rue. Et il y avait un vendeur d'œufs.
qui était là. Moi, j'étais à côté parce que j'observais le public. Et il y avait un vendeur d'œufs qui dit, ah, il est en train de montrer le gaspillage des riches. Ah, ça. Oui, donc, qui... il y a de la lecture. Oui, oui. Et moi, c'est quelque chose. Je vous dis, ça date de plus de 10 ans, cette anecdote. Et j'ai vu un garçon qui vend des œufs dans la rue et qui pense, qui nous donne une idée de ce que on pourrait coller à cette action. Et c'est vrai que fendre du pain au sol avec de la hache, et ça s'émiette et tout, c'est du gaspillage. Et moi, ça, je ne l'avais pas vu de cet œil-là. Donc du coup, je pense que il ne faut pas sous-estimer souvent le côté intellect des Camerounais. Donc, aujourd'hui, les Camerounais viennent de plus en plus regarder des spectacles de réflexion, ils viennent voir des performances, ils vont à des expositions de peinture. Il n'y a qu'à voir les vernissages dans les différents lieux d'exposition ou pour voir le public qui vient. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, on peut encourager nos jeunes aussi à se lancer dans la performance. Oui, il faut dire que depuis 2012, par là, j'ai formé une centaine de jeunes. Wow. J'ai intervenu dans les universités, pas seulement au Cameroun, parce que j'interviens dans les universités aussi, pas seulement au Cameroun. Monde. Oui, en Afrique du Sud, en Allemagne, au Danemark. Au Nigeria, en Finlande, oui, en Namibie l'année dernière. Donc j'interviens dans les universités où je partage, parce que moi je préfère souvent dire que je partage mon expérience, parce que on n'apprend rien à personne. L'être humain vit, il vit une réalité, il suffit juste d'ouvrir les yeux, de l'aider, voilà, c'est ça, pour qu'il se rende compte, pour qu'il soit conscient de ce qu'il vit. Donc on n'apprend rien à personne. Et voilà, moi je partage mon expérience avec les jeunes. Donc aujourd'hui on a une centaine qui ont été formés, on a à peu près une dizaine qui tournent dans le monde en ce moment. D'ailleurs, on a 3 ou 4 performances en ce moment en tournée en Europe qui ont été formées par moi. Donc je pense qu'il y a un engouement et qu'il y a à encourager la jeunesse à rentrer dans cet art. On vous décrit comme un artiste anticonformiste. Pourquoi? Oui, parce que mon anticonformisme est d'abord visible sur ma façon d'être, ma coiffure, ma façon de jouer. Que tellement les pays qu'on a vus de gauche à droite, on a l'impression que vous avez décidé un peu de copier le look de Bob Marley. Ouais, bon, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon anticonformisme, je montre la liberté de l'artiste que je suis. C'est-à-dire, je n'essaye pas d'être comme tout le monde, je n'essaye pas de faire comme la société voudrait. Et c'est comme ça, même dans mes créations, j'amène disons la société au questionnement. N'est-ce pas? Donc ça commence par ma personne. Quand je rentre dans une pièce, généralement les gens veulent comprendre. Si vous avez un certain âge, on peut dire, ah ouais, il est jeune, il est... C'est pour ça. Mais quand vous avez 50 ans et que vous avez l'attitude que j'ai, ça pousse la réflexion. On se pose la question, est-ce qu'il ne veut pas vieillir? Non, j'ai pas peur de vieillir. D'ailleurs, je n'ai jamais essayé de garder une barbe blanche noire. Donc, dès qu'elle a commencé à blanchir, j'ai compris que le processus était lancé. Les années sont en train de s'écouler. Oui, et j'ai bientôt 50 ans, ça ne me dérange pas de vieillir. Et ça ne se voit pas, vous avez les cheveux remplis sur la tête. Quel est le secret? On se pose bien la question. Ça, c'est déjà une femme qui demande une astuce. Je pense que généralement, quand vous voyez qu'une personne est, par exemple, 40 ans, 50 ans, il y a toujours... Peut-être que c'est dans les gènes, parce que dans la famille, nous sommes comme ça, nous avons une pilosité assez poussée dans la famille. Donc je ne suis pas le seul comme ça, mes frères sont comme ça, mon père était comme ça, mes soeurs aussi, donc voilà. Et je voudrais aussi savoir, que pensez-vous de ceux qui vous reprochent d'être tellement extrême dans le travail? On se dit, vous êtes à fond, quand c'est le travail là, vous êtes à fond, au point où parfois certaines personnes se disent, c'est un peu de trop, hein, qui n'arrivent pas à supporter. Oui, il faut dire que la performance est un art
controversé. Mmh. Et c'est un art subversif aussi. C'est-à-dire, dans les années 50, ça commence par l'histoire de la performance, dans les années 50, certains artistes étaient, en avaient marre de l'élitisme de l'art. Mmh. Parce qu'il faut dire que dans les arts plastiques, c'est pour une certaine élite. Bien sûr. Oui, les tableaux coûtent des millions. Les gens qui vont dans les expos, c'est des gens de la bourgeoisie. Oui. Et certains artistes étaient, en avaient marre de ça. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, le monde avait changé, un peu comme après Corona. C'est-à-dire, il y avait de nouvelles habitudes. Oui, oui. Voilà, il y a des artistes qui ont décidé comme ça de faire un art qui pourrait choquer tout le monde. Ah oui. Et justement, jusqu'aujourd'hui, la performance, on se pose des questions. Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est pas de l'art? Et de plus en plus, on rentre avec cet art dans les universités, dans l'académie qui a longtemps repoussé la performance. Parce qu'il faut dire que quand moi j'ai, encore dans les années 2000, même jusqu'aux années 2010, au Cameroun, ça ne voulait rien dire de faire la performance. Et il a fallu batailler avec les institutions, avec en allant ailleurs. Parce que les gens pensaient que parce qu'on va en Europe, c'est plus facile. Non, même en Europe, c'était controversé. C'est compliqué, hein? Oui. Mais quand on vous voit voyager, on vous voit donner des conférences, donner des ateliers, on s'intéresse à vous. Et là, ça a commencé avec les médias, dans mon cas. Mmh. Ça a commencé avec les médias à partir des années 2011-2012. Les médias ont commencé à s'y intéresser. Mmh. Et après, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Mmh. 50% de ma communication, c'est sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la plupart de mes contrats, je les ai comme ça. Mmh. Donc voilà, ça a commencé à se faire connaître. Et aujourd'hui, j'essaye de baisser cette manière de voir la performance comme un art extrême. Mm-hmm. J'amène un peu de poésie, comme tout à l'heure, on a vu What is Love. Tout à fait. Oui, je préfère un peu de poésie aujourd'hui que des actes super violents, même si j'y suis encore. Je suis encore dans cette... Donc, vous essayez un peu de laisser ce pan-là, parce qu'on vous a un temps soit peu traité de un peu morbide. Et oui, ça c'est clair, morbide, ça c'est clair. Donc, oui. Vous êtes en train de laisser ce pan-là? Non, pas de laisser, mais de montrer un autre visage. Un autre visage de la parce performance. Parce que c'est l'amour que nous, on veut. Hein? Oui, ça, c'est clair. Quand on parle de la performance, on a l'impression qu'on a affaire à un art libéral. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut, on a quand même la possibilité de s'exprimer à son aise. Est-ce qu'il y a forcément des canaux pour pouvoir discipliner un performeur? Non. Et aujourd'hui, oui. Pourquoi non? Parce que la performance est presque le seul art qui n'a pas de code. Mais on peut reconnaître la performance pas des codes que crée l'artiste lui-même, que vous présentez. Je vais vous prendre un exemple. À Douala, par exemple, on a un activiste qui est parfois considéré comme un fou, qu'on appelle Issama, qui décapite les statues des colons. Et lui, il le fait comme un activiste. Mais si c'était un artiste, si c'était moi qui le faisais, je mettrais ça dans le cadre de la performance. La performance. Bon. Donc c'est un peu ça. La performance, c'est toujours... C'est l'artiste qui définit ses codes, c'est l'artiste qui définit ses canons. Mais aujourd'hui, c'est un peu... des vieux artistes performants sont en train de lutter aussi contre ça, parce qu'on est en train d'introduire la performance dans l'académie. Et avec ça veut dire que, on veut donner des codes. On ne peut plus choquer, parce qu'on a l'impression que parfois c'est pour... Ça en fait, il y a une liberté, l'artiste est libre, l'artiste n'est pas emprisonné dans un code, dans un canon, dans un canal qui ferait qu'on dise, ah oui, ça c'est un artiste performeur. Donc il y a des actions que je pourrais faire et que je ne considère pas comme de l'art. Donc, comme de la performance. Oui, on dit c'est la performance. Est-ce qu'il y a un objectif visé? C'est-à-dire, je pose forcément un acte pour pouvoir corriger les mots qui minent la société et pour pouvoir exprimer ça ouvertement.
Oui, la plupart, comme je disais, à partir des années 70, on a par exemple en Europe de l'Est, avec le mur de Berlin et la guerre froide, dont on a des artistes en Europe de l'Est comme Marina Abramović, qui est considérée comme la grand-mère de l'art performance. On a des artistes comme ça qui vont poser des actions pour dénoncer la dictature dans ces pays, qui vont dénoncer les crimes. Et par exemple, sa performance, c'est elle nettoie 1500 tibias de bœuf avec sa robe. Avec ça, hein? Oui, pour parler de la guerre des Balkans, pour parler de tous les crimes qu'il y a eu en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Donc, les artistes vont s'approprier cet art pour dénoncer les maux, pour crier le mal-être. Souvent, est-ce que ce n'est pas souvent mal interprété? Parce que lorsqu'on parle de performance, je pense à une scène où il y a un artiste américain, Jay-Z, qui a été avec une dame. Oui. Il a rappé pendant plusieurs heures, il se regardait, il s'arrêtait. Et puis, il y a eu plusieurs interprétations. Est-ce que lorsqu'on fait des performances, est-ce que ce n'est pas souvent mal interprété par le public? Ça veut dire que vous avez fait des recherches, justement. Mm-hmm. C'est une performance de Marina Abramović, que j'appelle la grand-mère de la performance. Mm-hmm. C'est sa performance qu'elle a faite au MoMA de New York. Tout à fait. Oui, le titre, c'est de Artiste. Mm-hmm. Oui, c'est la présence de l'artiste. Elle est assise. Et elle invite à chaque fois un membre du public à s'asseoir devant elle et elle se regarde. Il se regarde et juste à ce que le spectateur se fatigue ou alors n'a plus envie, il se lève, il laisse la place à un autre. Et il faut dire qu'elle est, une star de l'art performance parce qu'au MoMA de New York, elle a rassemblé pendant des jours un millier de personnes. C'était comme... comment j'allais dire ça, c'était comme un concert de musique d'une rock star. Donc on avait justement Jay-Z qui est venu qui a participé à cette performance. Donc en fait ici, sans expliquer la performance de Marina, c'est une façon de mettre, parce que ça se passe en silence, c'est une façon d'amener l'homme à la réflexion. Quand tu regardes généralement les humains, quand on vous regarde la première fois, vous voyez un inconnu. La première fois que vous le regardez, vous le jugez rapidement par la couleur de sa peau, la longueur de son nez, ses lèvres ou sa taille. Ah, il a beaucoup de cheveux ou alors il n'est pas beau. C'est comme ça que l'humain juge. Mm-hmm. Au lieu de regarder, ah, voilà un homme, voilà un être humain. Tout à fait. Dans cette performance aussi, c'est pour amener l'être humain à rentrer à l'intérieur de lui-même. La personne que tu regardes en face de toi, est-ce que c'est un être humain ou c'est quelqu'un qui a mis de beaux vêtements ou quelqu'un qui a porté des lunettes ou qui a des cheveux, ou c'est un peu ça. Donc, et quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là, la performance? Il faut aller à l'école. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, on a l'école des Beaux-Arts de Consamba, on a Nguaikele, qui a une faculté des arts plastiques. Arts plastiques, oui, histoire de l'art. Voilà, aujourd'hui, il y a des écoles, contrairement à nous, qui n'avons pas d'école et qui avons été formés comme ça. Je conseille aux jeunes d'aller à l'école. On y va après le bac. Donc aujourd'hui, on veut faire comprendre aux jeunes que l'art n'est pas pour les gens qui ont raté leur vie ou bien des gens qui n'ont rien à faire. Donc, qu'ils aillent à l'école, qu'ils sortent de là, pas forcément avec un diplôme, parce que plus de la moitié des grands artistes dans le monde qui ont fait des écoles d'art sont sortis sans diplôme. Et ça nourrit son nom. Oui, comme tous les métiers, on a ceux qui vivent bien de leur métier, on a ceux qui tirent le diable par la queue. Oui, on a les gens nantis, on a ceux qui... Mais il faut travailler, c'est le travail qui paye. C'est ça l'essentiel, oui.
Okay. Si on a envie d'être comme Christian et qu'on veut forcément voyager de gauche à droite, parce que lorsqu'on voit la performance, on se rend compte qu'on peut visiter tellement de localités et de pays, même comme il n'est pas encore venu chez ma mère. Donc, on se dit, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon performeur? Oui, bon, les voyages, c'est comment j'allais dire? Le voyage, c'est un complément, c'est un élément pour un artiste. Voyager, c'est comme, pour vous, c'est comme être devant les caméras. C'est-à-dire, mm-hmm. C'est quelque chose de normal, de naturel. Mm-hmm. Maintenant, il faut pouvoir travailler pour le faire. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai fait une trentaine de pays dans le monde. Et ben, il faut dire que... Aussi jeune, trentaine de pays. Ah oui, il y a des années où j'ai fait... 6, 7, 8 voyages, c'est-à-dire la même année. Donc, mais il faut dire que j'ai commencé à voyager quand j'avais 40 ans. Ah, donc mieux vaut tard que je connais des collègues qui ont commencé, quand nous avons commencé dans l'art, qui ont commencé à voyager, on avait 27 ans, 28 ans, qui voyageaient, mais qui font un pays, et puis bon, ils attendent 5 ans, 6 ans, ils font encore un voyage. Mais moi, j'étais patient. Dès que la mayonnaise a pris. Ça, c'était clair. Ah, ça. Depuis 2012, je n'ai plus passé toute une année au Cameroun. Oh. Même à la période de Corona où les voyages étaient très restreints, j'ai quand même voyagé encore. Donc, ça fait partie de mon travail. Et si on parle de la vie intime, lorsqu'on voyage de gauche à droite et qu'on espère en amour, parce que lorsqu'on fait des performances, on se rend compte que c'est quelqu'un qui fait des recherches en ce qui concerne l'amour, comment pouvoir bien entretenir sa compagne? Surtout qu'on part de gauche à droite à tout moment. Tu as d'abord oublié une question. Tu devais d'abord se demander s'il est même d'abord marié. Non, il est marié, forcément. Je suis en train de regarder ce qu'on a vu. J'ai vu, hein. Non, c'est ça que j'ai mis en question. Parce que quand j'ai essayé de regarder le radio, j'ai essayé de faire la performance à mon niveau. J'ai regardé parfaitement. Et puis j'ai vu un doigt, j'ai dit, il est marié. Oui, oui, je suis marié. Bon, il faut dire que je vis avec mon épouse depuis, ça va faire 12 ans que nous vivons ensemble. Mais il faut aussi dire que c'est pas du tout facile. La chance que j'ai, c'est d'avoir à l'époque épousé une femme plus jeune que moi, et très jeune d'ailleurs. Et j'ai eu le temps de l'éduquer dans ce que je fais, c'est-à-dire qu'elle comprenne mon métier. Parce que pendant longtemps, j'étais confronté justement à des séparations avec différentes relations parce que mon métier, c'est très compliqué. Quand on n'est pas stable, quand on n'est pas stable, comment est-ce qu'on peut créer une famille? Et là, j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui comprend que je suis un artiste, qui sait que je suis un artiste et qui vit avec. Donc, parfois, je me déplace 2 mois. On essaye de vivre sur moi. J'essaye de vivre sur la confiance. C'est-à-dire, puis je pense que j'ai un certain âge où je n'ai plus envie de savoir est-ce qu'elle a fait ci, est-ce qu'elle a fait ça. Est-ce qu'elle n'a pas été draguée par non, si je ne peux pas. Là. Voilà, je ne peux pas. Si on s'accroche comme ça, on ne va pas travailler, on ne va pas avancer. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est la mettre en confiance et. Elle comprend que c'est mon travail. Alors pour revenir à la question, c'est peut-être que voyager comme ça, ça peut donner des occasions, je ne sais pas. Ça c'est... Surtout qu'on sait que les hommes, surtout les gars du Cameroun, c'est pas moi qui l'ai dit hein, forcément, parce qu'on dit les gars du Mboko ne fabriquent pas. Et ils aiment tout. Et lorsqu'on a la possibilité de quitter là où on a tellement vu les noirs, qu'on va voir les blanches aux longs cheveux, par nos chapeaux que nous portons, j'aurais bien pu épouser une blanche, mais bon, je préfère les femmes noires. Chacun ses choix, c'est bien. Oui, bon, il faut aussi dire que j'ai une certaine expérience
Pendant plus de 20 ans, j'étais moniteur de gym. Mm-hmm. Ça fait partie de ma vie aussi. J'étais moniteur de fitness, j'étais masseur. On imagine les formes et tout ça. Voilà. Allez, de gauche. Voilà. J'étais pendant 20 ans dans les salles à Yaoundé. Et j'ai aussi été connu là dans ce milieu. Et ça vous donne une expérience face aux femmes. Donc, du coup, vous pouvez savoir vous contenir. Et oui. Pas abstenir, mais contenir. Non, on a compris. Hein. Oui, c'est ça que vous sortez couvert. On parle maintenant, on avance, mais on voudrait savoir les projets de Christian et Tongo. Oui, les projets, en ce moment, je prépare plusieurs projets. Je suis toujours dans les projets, il faut dire, mais je vais prendre ceux qui sont assez proches. Oui, pas forcément assez proches, mais qui sont assez importants. Oui. En décembre, du 6 au 10 décembre, nous organisons la 6e édition de l'art performance, du Festival international d'art performance, qui se tient depuis 2017. Voilà. Nous faisons venir des artistes du monde entier et nous privilégions aussi des pièces qu'on peut montrer aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire un art que les enfants peuvent regarder. Et comprendre aussi. Hein? Oui, et comprendre. Oui. Et donc, c'est le Festival international d'art performance pour le développement durable, pour l'écologie et le développement durable. Ah ça, vous prenez soin de l'environnement. Oui, oui, c'est ce festival est vraiment dédié à l'environnement. Et voilà, on sort un peu des salles, on va dans la forêt pour faire des conférences, pour faire des performances. On se retire hors de la ville pour le faire. Donc, on a ce festival-là. Et puis, il y a des voyages qui sont prévus. Pour le moment, c'est pas encore. J'en parle pas encore. On n'en parle pas. Et il faut dire que je suis directeur artistique d'un projet, un gros projet qui est mené par la famille de l'abbé Piccolo Ngomo, qui est un ancien prêtre, qui est décédé déjà, mais qui était prêtre, qui a cette particularité-là d'avoir été prêtre, d'avoir démissionné et d'avoir vécu normalement, c'est-à-dire qu'il s'est marié, il a fait des enfants, mais il a laissé des grandes œuvres. Et aujourd'hui, ses enfants qui sont, ses filles qui sont, d'ailleurs, on a eu l'occasion de recevoir une ici, Sita Ngumu, lors d'une exposition que nous avons organisée. Donc en ce moment, nous voulons faire un festival qui parle des œuvres de leur père. Donc voilà les projets. Je suis le directeur artistique. Voilà les projets qui sont assez importants en ce moment. Bon, après, il y a plusieurs choses à faire. Je dois donner des ateliers dans plusieurs espaces et certains festivals qui vont se passer au Cameroun. Ça, on a un emploi du temps assez chargé. Est-ce qu'on a un peu le temps de se reposer, de se divertir, de faire un vide? Mon art est déjà un divertissement pour moi, c'est-à-dire je m'amuse quand je fais mon art. J'imagine un peu. C'est les vacances, je suis tout le temps dans les hôtels, dans les avions, c'est une chance. Et bon, maintenant, est-ce que je me repose? Je pense que j'ai toute ma mort pour me reposer, donc je dors très peu. C'est ça. Oui, je dors très peu et je travaille beaucoup, Je dors parfois 2-3 heures du matin pour être debout à 6 heures, donc c'est un peu ça. On a l'impression que c'est le grand quotidien des hommes. Hein. Lorsqu'un homme a une activité qui les aide, il dort pratiquement presque pas. Alors que nous, les femmes, dès qu'on a touché le lit, opération demain matin. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'après, vous pouvez être tranquille pour travailler. En fait, j'essaie de m'imaginer dans la tête quand on parle à performance. Je me dis donc, quand vous êtes même dans votre salle de bain avec votre boss devant le miroir, vous êtes parfois, vous pouvez vous perdre et vous êtes en train de jouer une scène, je ne sais pas moi. Parce que quand, à force de vous écouter, je me suis dit, mais parfois, on fait de la performance sans le savoir, hein, on fait peut-être de l'art sans le savoir. Est-ce que ça peut arriver que vous êtes en train de faire quelque chose? Alors que vous savez que c'est tout à fait normal, c'est un acte que vous êtes en train de faire naturellement, mais quelqu'un peut-être expérimenté se dit, mais celle-là est en train de jouer.
Oui, je vais vous raconter deux anecdotes. Mm-hmm. La première, quand vous arrivez au marché Mokolo, par exemple, vous voyez les vendeurs avec ceux qui vendent les collants. Oui. Avec des mannequins et des collants. Mm-hmm. Il faut regarder comment ils sont placés. Mm-hmm. Si vous faites une photo, c'est de l'art. Mais au moment où ils le font, ils sont en train de présenter leur marchandise. Mais quand vous regardez ça, c'est vraiment... Parfois, vous arrivez au marché, vous allez voir une maman qui a bien classé ses oranges, sa tomate, c'est-à-dire c'est avec des couleurs. Mais elle ne le fait pas comme une artiste. Elle n'est pas une artiste. Uh-huh. Mais c'est de là. On va prendre rapidement une vidéo et puis on revient. Quelle interprétation vous pouvez faire de cette vidéo? Oui, c'est Quartier Sud qui raconte le parcours des, ça dit le mal-être des Africains dans leur cadre ici. Mmh. Et qu'est-ce qui pousse les jeunes à partir? Tout simplement. Oui, et voilà, je raconte moi-même mon histoire personnelle. Quand j'avais 22 ans, je suis parti par le désert, par la mer, et jusqu'en Europe. J'ai été rapatrié. Et voilà, j'essaye de poser ça et dire aux jeunes, montre aux jeunes les méfaits, sans juger ceux qui veulent partir, vous pouvez partir, mais voilà ce qui peut vous arriver. Et oui, évidemment. Voilà. Quel mot de fin alors, parce que nous sommes arrivés au thème de l'émission, quelques mots aux téléspectateurs qui vous regardent. Bon, d'abord, j'ai passé du bon temps. Également. Hein? Parce que c'est toujours bien de communiquer sur le travail. Mm-hmm. Et avec des charmantes dames. Mm-hmm. Donc, voilà, je suis... j'encourage vraiment mm-hmm. cette émission parce que j'ai eu souvent l'occasion de la regarder, d'ailleurs, de communiquer là-dessus. Donc, voilà, je salue... téléspectateurs de Foot TV. Mm-hmm. Et voilà, merci d'avoir été là. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et bon début de week-end à Dej Fouidjo. Oh, je vais dire merci également à Christian d'être venu. Merci aussi à vous de nous regarder chaque fois qu'il est 17h le vendredi et on vous souhaite un bon week-end. Bon week-end également. Oui. En tout cas, on vous laisse en compagnie de l'émission de sport sur Info TV. C'est bien sûr une Damba à 18h. Et ne ratez pas l'information en direct à 20h. Restez scotchés ici et bon début de week-end à tous. Bye bye.